Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, la première de la série yoga, pour vous proposer un petit cours débutant, assez court, accessible à tous, où on va faire des variations autour de la salutation au soleil, Hatha. Allez, c'est parti! On va d'abord venir commencer notre pratique en posture de la table sur le tapis. Donc pour cette posture, il faudra bien penser à avoir poignet, coude, épaule alignée et genou, fessier aligné. On va d'abord commencer par alterner la posture du chat et de la vache. Donc à l'inspire, on ouvre les épaules vers l'arrière, on envoie la poitrine vers le ciel, on regarde vers le haut, on creuse le dos, on laisse le ventre descendre. Inspire, on pousse dans les mains, on repousse le sol, on arrondit les omoplates, on rentre la tête, la posture du chat. Inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel, on creuse le dos. Expire, on arrondit, on rentre la tête, on pousse, pousse, pousse. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une fois, inspire, on ouvre. Expire, on arrondit le dos. On revient en posture neutre et on va chauffer doucement les poignets en tournant les mains dans tous les sens, tranquillement, là où c'est accessible pour vous, vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, tranquillement. N'allez jamais au-delà de ce qui est possible pour vous. Le but n'est pas de se faire du mal. Donc on y va doucement. Voilà. On revient en position neutre. Et ici, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière, aligner avec la jambe droite. On va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et si on est à l'aise, on va le ramener vers nos oreilles. Si, comme ça, ça suffit pour étirer votre flanc, vous restez là. Sinon, vous pouvez encore descendre. Et on respire ici. On fait bien attention à ne pas crisper les épaules. Et on relâche. On ramène la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite dans l'alignement de la jambe gauche. On ouvre le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on descend le bras. Si vous êtes que ici, que ça tire suffisamment, restez là. N'allez pas au-delà. Et on fait bien attention à descendre nos omoplates. On étire tout le flanc. On respire bien ici. Inspire, on remonte le bras. Et allez, expire. On redescend la main au sol. On va venir ensuite descendre sur nos talons, on élargit bien les genoux pour laisser le ventre passer, on allonge les bras pour étirer le dos. Puis à l'inspire, on se redresse et là, au choix, soit on descend en demi-pompe et on s'allonge pour ensuite à l'inspire monter en cobra et expire, on relâche. Inspire, on remonte en posture de l'enfant. Ou l'autre option, on vient descendre poitrine et menton au sol. Et à l'expiration. Et inspire, on monte en cobra. Et à l'expire, on redescend dans la posture de l'enfant. Si c'est la deuxième option que vous souhaitez faire, il faudra bien être attentif à avoir les plis du coude vers l'avant du tapis. Si vous ne faites pas ça, si vous avez les plis des coudes vers l'intérieur, vos bras vont partir sur les côtés, comme quand on fait des pompes. Donc il faut vraiment tourner les bras pour avoir le pli vers l'avant du tapis. Et on regarde à l'avant pour descendre poitrine et menton.
On recommence à partir de la chai pose. On descend sur notre chai pose. Inspire, on se redresse. Et expire, soit demi-pont, soit Ashtanga Namaskara. Poitrine menton au sol. Inspire, cobra. Et expire, chai pose. Encore une fois. Inspire, on se redresse. Et expire, on descend, Ashtanga Namaskara. Inspire, cobra. Et expire, child pose. Encore une dernière. Inspire, on se redresse. Et expire, Ashtanga Namaskara ou demi-pompe. Inspire, cobra, on dégage bien les épaules, les oreilles. Et expire, child pose. N'hésite pas ici à faire quelques mouvements pour se délier. Puis on revient en posture de la table et on va monter dans notre premier chien tête en bas. On crochette les orteils et on vient pousser dans nos jambes et dans nos bras. Le but du jeu ici, c'est d'avoir la colonne droite. Donc s'il faut, n'hésitez pas à plier les genoux pour avoir la colonne droite ou à monter un peu sur vos pieds, au choix. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester jambes tendues. Je vous invite à plier alternativement jambe gauche et jambe droite pour vous mettre dans cette posture. Je vous fais un petit peu ici. On fait bien attention à ne pas avoir les omoplates dans les oreilles. Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez rester un petit peu dans la posture. Respirez ici. On pousse bien dans les bras. On envoie ses fessiers vers le plafond. Puis on vient marcher doucement vers ses mains. On garde les pieds larges aux hanches. On attrape les coudes dans les mains. Et on se laisse tomber vers l'avant. On peut faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche. Et à l'inspire, on remonte vertèbre par vertèbre. Super. On va commencer en douceur avec une première salutation au soleil. Quoi faire? Pied droit, pied gauche. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis. À joindre vos pieds et vos orteils. On écarte bien les orteils sur le tapis. On engage les jambes, les abdominaux. On évite d'avoir le bas du dos complètement creusé. On essaie de garder une posture neutre. On engage les bras. On roule les épaules vers l'arrière. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. On regarde en haut. Et expire, on plonge doucement en avant. Ici, vous pouvez plier les jambes si vous êtes plus à l'aise. Le but du jeu, c'est d'avoir le ventre le plus près possible des cuisses. Donc, n'hésitez pas à plier les jambes. Inspire, on vient mettre les pieds droits à l'arrière. Genou au sol. On vérifie que notre genou ne dépasse pas nos orteils. Et à l'inspire, on se redresse dans son low lunge. Si vous ne pouvez pas coller les mains, vous pouvez les garder écartées. Surtout, n'ayez pas les épaules dans les oreilles. Inspire ici. À l'expire, on pose les mains au sol. Et on vient recroqueviller les orteils de la jambe arrière. Et on pousse pour monter dans son chien tête en bas. On place son chien tête en bas. Encore une fois, on n'hésite pas à plier les genoux pour avoir le dos le plus droit possible. On protège sa colonne. On pousse bien dans les bras. Inspire sur place. Et à l'expire, on pose les genoux au sol. Au choix, soit on descend en demi-pompe. Je vais montrer celle-là pour la première. Inspire, on remonte en cobra. Et à l'expire, on crochette les orteils pour remonter en chien tête en bas. On pousse bien dans ses bras. Inspire, on amène jambe droite entre les mains. Hop. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à vous accompagner.
accompagner votre jambe de votre bras, de votre main. Parfois, vous pouvez faire un pas au milieu. Vous prenez votre jambe et vous l'amenez entre vos mains. Et expire, on pose le genou au sol. Inspire, on remonte dans notre low lunge. Soit les mains jointes, soit les mains écartées. À l'expire, on repose les mains au sol. On crochète les orteils et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et expire, on plonge en avant. Uttanasana. On n'hésite pas encore une fois à plier les genoux pour avoir le vent plus proche. Inspire, on remonte le dos le plus droit possible. On joint les mains. Et expire, on relâche. On va faire la même chose côté gauche. Inspire, je monte les mains vers le ciel. Et expire, je plonge en avant. Inspire, pied gauche en arrière, genou au sol pour notre low lunge. Inspire, on monte les bras vers le ciel. On respire ici. Et allez, expire. On pose les mains au sol, on crochète les orteils pour le chien tête en bas. On respire sur place. Et à la prochaine expire. Ce coup-ci, je monte Ashtanga Namaskara. On pose genou au sol. On envoie les pieds du coude vers avant. Et on vient plier pour poser la poitrine et le menton au sol. Inspire, cobra. Expire, on remonte dans le chien, tête en bas. On respire ici. On se met bien dans notre chien, tête en bas. On pousse bien dans les bras. Je veux des bras tendus, les épaules qui sont dégagées des oreilles, les fessiers envoyés vers le ciel. Inspire, on envoie le pied gauche entre les mains. Et expire, on pose le genou droit au sol. Inspire, on monte dans notre low lunge. Et expire, on pose les mains au sol. On crochète les orteils de la jambe arrière. Et on vient ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et expire, je relâche en avant. Inspire, je remonte dos droit. Et expire, je relâche. On va partir pour les petites variations. Toujours à l'avant de votre tapis, les pieds bien joints, je vous invite à d'abord soulever les orteils, puis les écarter avant de les reposer pour avoir un meilleur appui possible. On engage les jambes, les fessiers, les abdominaux. On roule les épaules vers l'arrière, on engage les bras. Donc je vous invite à bien vous replacer sur votre tapis. À placer les orteils, n'hésitez pas à les soulever un peu, écarter les orteils pour bien les mettre, bien avoir tous vos appuis. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, jambes droites en arrière. Genoux au sol, on expire. Inspire, on se redresse. Expire, on vient descendre les mains, les croiser dans le dos. On roule les épaules vers l'arrière et à l'inspire, on envoie le cœur vers le ciel. On respire ici. Et à l'expiration, on remet nos mains au sol, on crochète les orteils pour monter dans notre chien tête en bas. On place bien le chien tête en bas, on n'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Et à l'inspire, on monte la jambe droite. On garde bien les hanches parallèles au sol, je ne veux pas de hanches ouvertes. Hanches parallèles au sol. On respire ici, on pousse bien dans les bras. Inspire, on ramène. Le genou vers nous, le pied entre les mains. Et expire, on pose le genou gauche au sol. On engage ses jambes, ses abdominaux. Inspire. Et expire, on repose les mains au sol. On crochète les orteils du pied gauche. Et on ramène à côté du pied droit. Et expire, on relâche vers l'avant.
Inspire, on remonte. Et expire, on relâche. On repart pour le côté gauche maintenant. Inspire, je monte les bras vers le ciel. Et expire, je plonge en avant. Uttanasana. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis. Genou sol. Inspire, je monte les bras vers le ciel. Et expire, je relâche. Je change bien le croisement de mes doigts. Je roule les épaules vers l'arrière et inspire. J'envoie le cœur vers le ciel. Je respire ici. Et expire. Main au sol, dans notre chien tête en bas. On prend le temps de bien placer notre chien tête en bas. Et prochaine inspire, on lève le pied gauche. J'ai quelques petits soucis de place. On lève le pied gauche. On respire ici, on garde bien la hanche parallèle au tapis. Inspire, j'envoie le pied gauche à l'avant entre les mains. Et expire, genou droit au sol. Inspire, je remonte dans mon low lunge. Et expire, main au sol. Je projette les orteils du pied droit que je ramène à l'avant, entre les mains, à côté du pied gauche. Et allez, expire, je relâche en avant, Uttanasana. Inspire, je remonte dos droit. Et expire, je relâche. On profite ici. On ferme les yeux quelques instants. On peut sentir l'équilibre côté gauche et côté droit. Je vous invite à vous replacer. On se prépare, on engage tout le corps. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Et expire, on plonge en avant. Inspire, jambe droite vers l'arrière, genou sol. Et expire ici. Inspire, on monte. Et expire, on vient mettre les mains en prière et on va poser le coude droit sur le genou gauche. On se sert de la force d'appui de notre bras gauche pour envoyer la poitrine vers le ciel. Pour la petite torsion. On respire ici. Et expire, on vient. Posez les mains au sol, on monte dans notre chien tête en bas. On place bien notre chien tête en bas. Et à la prochaine, expire, on descend genou sol, soit Ashtanga Namaskara, poitrine menton, soit comme on a vu au début, la demi-planche. Et inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. On va expirer ici. Inspire, on chante droite. On respire ici. Et on vient l'amener entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, je remonte dans mon low lunge. Expire, je repose les mains au sol. Je projette mes orteils et je ramène pied gauche à côté du pied droit. Et expire, je plonge en avant, Uttanasana. Encore une fois, n'hésite pas à plier les genoux pour avoir le ventre qui se rapproche des cuisses. Inspire, je remonte dos droit. Et expire, je relâche. On part pour le côté gauche. Inspire, je monte les bras vers le ciel. Et expire, je plonge en avant. Inspire, pied gauche en arrière. Genou sol. On expire sur place et à l'inspire, on monte dans notre low lunge. Et expire, main devant le cœur. Et ce coup-ci, je coude gauche sur le genou droit pour notre torsion.
Inspire, on envoie le cœur vers le ciel. On regarde vers le ciel. Prochaine inspire, on relâche au sol et on monte dans notre chien tête en bas. On place notre chien tête en bas. Et prochaine expire, Ashtanga Namaskara ou demi-pompe. Inspire cobra. Et expire chien tête en bas. Inspire, je monte la jambe. Puis je viens la ramener entre les mains. Et expire, je relâche le genou sol. Inspire, je remonte dans low lunge. Et expire, main au sol et je ramène le pied droit entre les mains. Et expire, je relâche. Inspire, je remonte. Et expire, je relâche. Si j'ai besoin, je prends une petite pause en fermant les yeux ici. Nous allons partir maintenant pour notre dernière séquence. Donc, on se replace encore une fois l'avant du tapis. Inspire, je monte les bras vers le ciel. Et expire, je plonge en avant. Inspire, pied droit à l'arrière, genou au sol. Encore une fois. On va ici placer le pied gauche sur le bord externe du tapis. Et si on est à l'aise, soit on peut rester juste comme ça, on laisse le genou s'écarter tranquillement. Si on est à l'aise, on peut descendre plus bas. N'hésitez pas à vous réajuster un petit peu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser des blocs pour mettre vos avant-bras. Si vous n'avez pas de bloc, pensez au livre. On peut toujours substituer. Vous pouvez vous mettre comme ça, si c'est déjà bien assez intense. Sur vos avant-bras, si vous êtes bien, et si vous êtes très à l'aise, totalement descendre. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez tendre la jambe arrière. Faites à votre niveau. On respire ici. Puis, si vous avez la jambe tendue, on vient redescendre le genou. On replace les mains au sol. On crochette les orteils de la jambe droite. Et on vient monter dans notre chien tête en bas. Respire sur place. Et à la prochaine, expire. Genou, poitrine, menton ou demi-pompe. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, je monte la jambe droite. Il faudrait que j'enlève ce radiateur. On reste les hanches bien alignées. Et à la prochaine inspire, on plie la jambe et on vient ouvrir comme un chien qui fait pipi sur un poteau. Par contre, on fait attention à bien garder les épaules face au tapis. On ne tourne pas les épaules. C'est juste les hanches. Inspire, on remet la jambe dans l'axe. Et on vient de la ramener entre les mains. Et expire, on pose le genou. Inspire, je remonte en low lunge. Et expire, je remets les mains au sol. Je ramène le pied gauche avec le pied droit. Et expire, je relâche en avant. Inspire, je remonte dos droit. Et expire, je relâche. On part pour le pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, je plonge en avant. Uttanasana. Inspire, pied gauche en arrière. Genou sol. L'arrêt, on met les deux mains à l'intérieur du pied. On vient poser le pied vers l'extérieur du tapis, le long de la ligne. Soit on reste ici parce qu'on est bien. N'hésitez pas à reculer un peu votre jambe. Soit on utilise encore une fois les blocs.
pour poser ses avant-bras. Vous pouvez le mettre encore plus bas si vous le souhaitez. Hop. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous posez complètement. Laissez bien le genou aller vers l'extérieur. Et si vous êtes totalement à l'aise, on tend la jambe. Et on respire ici. Prochaine expiration, on se remet sur les mains. On vient le pied droit à l'arrière et on monte dans notre chien tête en bas. On respire ici. Prochaine expire. Ashtanga Namaskara ou demi-poupe. Inspire, on glisse dans notre cobra. Et expire, chien tête en bas. On pousse bien dans ses bras. Inspire, on monte la jambe gauche. On respire ici. Inspire, on plie. On ouvre la hanche sans ouvrir les épaules. Inspire, on revient en place. Et expire, et à l'inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On met le genou droit au sol. Inspire, l'allonge. Et expire, on replace les mains au sol. On amène le pied droit entre les mains. Et expire, on plonge en avant. Inspire, on remonte le dos droit. Et expire, on relâche. On va faire quelques petits mouvements pour se délaisser de cette pratique. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. Et expire, on plonge en avant. Inspire, on monte dans notre chien tête en bas. À l'expire, on pose les genoux au sol. On écarte les genoux et on vient descendre dans notre child pose. Soit vous pouvez garder les bras tendus, soit vous pouvez les mettre à l'arrière pour reposer vos épaules. Au choix. Et on respire ici, on calme notre respiration. Inspire, on se redresse et on vient croiser les jambes pour venir s'allonger. Je vais vous inviter ici à ramener vos genoux vers votre poitrine. Je m'avance un petit peu vers votre poitrine. À les enlacer et à aller de gauche à droite comme si vous faisiez un beau câlin. On masse ici le bas du dos. Vous pouvez faire des mouvements de gauche à droite. Ou mettre vos mains sur vos genoux, faire des petits cercles. Genoux ensemble. Ou genoux séparés. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Prenez le temps de faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Et on respire ici. Pensez à fermer les yeux pour vous connecter à vos sensations. Ressentir votre corps. On revient les genoux au centre. On met les bras en croix de part et d'autre. Et on va laisser tomber ses genoux d'un côté. Et on va tourner la tête de l'autre côté. Si c'est trop intense, vous pouvez mettre un bloc ou des livres sous vos genoux pour que ça descende moins bas. Et on respire ici.
Inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je fais tomber les genoux de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre. Et on va ici attraper les coudes dans les mains. On va mettre au-dessus de la tête. Voilà, il faut que je m'allonge un peu. On va ramener ses jambes, pieds joints du côté droit et le haut du corps aussi du côté droit. On va faire une forme de banane. On respire ici. Il faut bien avoir les deux omoplates au sol. Reviens au centre. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Reviens au centre et là je vais vous inviter à mettre les bras le long de votre corps, paume vers le ciel, à ouvrir les jambes et à vous laisser aller à 5 minutes de Shavasana, la relaxation à la fin de chaque pratique.